Alors c'est un marché de la restauration rapide qui est en plein boom, en plein développement effectivement. Donc aujourd'hui, il y a plein de thématiques qui sont en train de se développer. Et nous, on surfe sur le créneau de la restauration thaï, qui est tout nouveau, qui est un tout nouveau marché, effectivement, qui était détenu principalement par les indépendants. Et effectivement, nous, avec l'enseigne Pitaya, on se développe effectivement dans le cadre de la franchise sur ce marché qui est complètement nouveau. Alors le premier restaurant Pitaya a été créé en 2010, donc à Bordeaux. On s'est développé principalement sur la région bordelaise. Donc aujourd'hui, on a 6 restaurants, dont 5 en propre et un premier franchisé sur Bordeaux. Et on se développe en franchise. Donc les prochaines ouvertures vont se faire sur Tours, Toulouse, Montpellier et Nice, donc qui sont en pleine construction, en pleine implantation. Et on travaille actuellement sur Nantes, Rennes, Clermont-Ferrand et Paris. Alors, on n'est pas obligé de sortir du milieu de la restauration pour devenir franchisé Pitaya. C'est principalement, je veux dire, un savoir-être, aimer la restauration, thaï, et effectivement, de pouvoir se faire plaisir, ça c'est le plus important, être motivé dans le cas de l'enseigne Pitaya. Et nous, on cherche surtout des vrais partenaires. Nous, c'est une relation d'hommes et de femmes avec qui on souhaite relationner, et pour nous, c'est le plus important. On accompagne de A à Z l'ensemble de nos partenaires franchisés. Aussi bien au départ, au niveau de leur idée de vouloir être franchisé Pitaya. Donc on va les accompagner effectivement sur leur business plan, leur prévisionnel, mais aussi bien sur leur recherche d'un local commercial, puisqu'on a maillé l'ensemble du territoire français métropolitain et les dom-toms avec des partenaires. Donc on est en mesure effectivement de pouvoir les accompagner et les aider à trouver un local commercial. Et ensuite, il y a toute l'assistance technique et la formation. Donc on les forme au métier de la restauration, puisqu'on a un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, où on va former effectivement nos franchisés. Et ensuite, il y a tout l'accompagnement prévu à cette fin pour qu'il soit opérationnel au niveau de chaque unité. La formation dure 15 jours, 15 jours effectivement à Bordeaux, avec de la thématique aussi bien sur la partie management, sur la partie hygiène et sécurité, sur la cuisine pure et dure, avec le transfert de nos recettes. On les forme également dans nos unités, la pratique du wok, parce que c'est une pratique qui est très très particulière. Voilà, donc ça c'est pendant 15 jours. Et au moment de l'ouverture, on les accompagne pendant une semaine à l'ouverture, puisqu'on envoie un de nos managers et un de nos cuisiniers pour effectivement caler l'ouverture et éviter qu'il y ait le moins d'écart possible par rapport à nos process. Ça c'est particulièrement important. Et puis après, ils ont tout l'accompagnement au quotidien avec nos animateurs réseau. Plein de choses là-dessus. Je veux dire, c'est déjà d'être passionné par le métier de la restauration et de faire plaisir. Ça, c'est très très important. Nous, on doit faire plaisir à nos clients. Nous, c'est du quotidien et on sert des repas. Donc, à partir de là, il faut qu'on fasse plaisir à nos clients. Donc, déjà, c'est vraiment une démarche, disons, relationnelle, commerciale. Il faut aimer ça. Après, c'est un métier qui est dur. C'est un métier de la restauration, c'est un métier qui est dur, qui est prenant en termes de temps. On est aussi bien sur la partie production culinaire, on est aussi bien au service, on est aussi bien sur la gestion. Donc effectivement, il faut aimer ça. Donc je dirais surtout, c'est se faire plaisir. Je souhaite vraiment qu'on revienne vers nous et qu'effectivement, on est là, on est prêt à accompagner tous les futurs candidats franchisés et à les accompagner à intégrer Pitaya.